C'est très intéressant. C'est un grand succès. C'est du calcaire que nous avons trouvé. On a réussi. Vous posez-le là-bas. C'est du calcaire de Ryukyu. Comme vous pouvez le voir, il est très friable. Ce calcaire s'est formé jadis dans une région côtière. Alors, si on le trouve maintenant à 1200 mètres de profondeur, cela signifie que cette région a été entièrement engloutie. Ce calcaire est du corail fossilisé, ce qu'on ne trouve normalement que dans des eaux peu profondes. Sa présence ici indique d'importants glissements de terrain. Je vois quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est noir. En poursuivant l'exploration, ils font une importante découverte. Ils remarquent des crevasses qui se prolongent très loin, suggérant une ligne de fissure dans l'écorce terrestre. L'absence de vase indique par ailleurs que ces roches sont immergées depuis relativement peu de temps. La face abrupte des falaises semble également indiquer des mouvements importants le long de la ligne de faille. D'après l'âge des échantillons de roches recueillis, ils découvrent que toute cette zone a subi de violentes modifications à la suite d'une activité volcanique intense il y a environ 14 000 ans. Ce qui correspond parfaitement avec la théorie sur le continent mu disparu. Les exemples de bouleversements importants ne manquent pas sur les îles disséminées le long de la grande trouée d'Okinawa, connue pour sa ceinture de gaz volcanique. On en trouve une preuve supplémentaire sur Minatogawa, l'île principale d'Okinawa. On y a découvert des fragments de 4 squelettes humains. Leur position dans le rocher suggérait que ces gens étaient tombés les uns par-dessus les autres au cours de tremblements de terre qui les avaient enterrés vivants. On peut estimer que leurs corps ont été ensevelis il y a environ 19 000 ans. Cela correspond encore assez bien à la disparition supposée du continent mu. Pour en savoir plus sur ce peuple de Minatoga, on procède à une reconstitution aussi fidèle que possible de leur apparence physique. On applique de l'argile sur un squelette recomposé à partir de fragments d'os. Grâce à un ordinateur, on espère parvenir à une grande ressemblance. Mais c'est un sculpteur professionnel qui applique la dernière touche. 3 mois de travail ont redonné naissance à cet homme qui semble mystérieusement émerger d'un sommeil de 19 000 ans. Une similitude apparaît entre le peuple de Minatogawa et les habitants de l'Asie de l'Est. Le crâne rappelle ceux des Chinois du Sud et ceux aussi du peuple Wajak en Indonésie. On peut donc aisément concevoir qu'il y a entre 15 et 18 000 ans, une vaste étendue de terre reliait l'Indonésie et les Philippines au Japon. Le résultat, c'est que les gens qui peuplent ces régions se ressemblent beaucoup. Il est possible qu'à Okinawa, le peuple de Minatogawa ait subi une évolution pour devenir les Jomon. Ces Jomon qui constituent les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui. Pour moi, il est clair que les habitants de Minatogawa sont les plus anciens ancêtres des Japonais. Le peuple de Minatogawa a disparu au cours d'une terrible catastrophe naturelle. Quelle vision horrible a donc pu accompagner leurs derniers instants? Retour sur le Natsushima. Les 5 jours d'exploration arrivent à leur terme. Et soudainement, le tout dernier jour, quelque chose que Kimura voit sur l'appareil de retransmission provoque son excitation. Regardez là, est-ce que ça pourrait être ça? Il vient d'apercevoir ce qui pourrait bien être le fossile d'un animal à une profondeur de 550 mètres. Il a bougé. Bravo, il l'a attrapé. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être un os? En tous les cas, ça n'a pas l'air d'être une roche. Regardez comme il est incurvé. C'est formidable. Formidable, on a réussi. Je dois dire que tout le monde y a mis du sien et qu'on a vraiment fait du bon travail. Non, ce n'est pas un morceau de roche, j'en suis sûr. «
Oui, aujourd'hui, plusieurs des échantillons ramassés pourraient fort bien être des fossiles d'animaux terrestres. Selon la légende, des troupeaux d'éléphants vivaient sur le continent Mu. Rien ne pourrait faire davantage plaisir à Kimura que de découvrir un os d'éléphant. Dauphin 3K revient à la surface, sa mission brillamment accomplie. C'est un fossile, mais je ne crois pas que ce soit une dent. Non, parce que si c'était une dent, elle serait en ivoire et d'une plus grande densité. Il n'y a aucun doute. Non, il n'y a aucun doute à avoir, c'est un os. En revanche, j'ignore tout à fait de quelle partie du corps il peut provenir. Les échantillons sont immédiatement expédiés à un paléontologue de l'université de Kagoshima qui fournira son opinion d'expert. Comme vous le voyez, cet os est large et très long. D'après moi, il est tout à fait possible que ce soit la mâchoire inférieure d'un animal marin. Un animal marin de la famille des baleines. Une étude a déterminé que l'os que je tiens là est le tibia gauche d'un éléphant du Japon, dont je vais vous montrer un croquis. Il s'avère que ce spécimen important est un fossile de baleine. Il n'apporte donc aucune preuve de l'existence du continent Mu. Le professeur Utsuka examine soigneusement tous les fossiles. Il y en a un qui l'intéresse tout particulièrement. On a trouvé ce petit morceau d'os à demi enterré dans le sable et le bras articulé du submersible n'a pu en rapporter l'intégralité. Je pense que cet os provient d'un grand quadrupède. À mon avis, ce pourrait être une vache, un cerf, un rhinocéros ou même un éléphant. Le professeur explique pourquoi il pense que cet os provient du tibia d'un gros animal terrestre. Il le compare au fossile d'un os d'éléphant. Le tibia comporte des lignes musculaires qui indiquent que des muscles puissants s'y trouvaient rattachés. Sans oublier un angle de 90 degrés entre le côté et la partie arrière. Le petit fossile présente très nettement ces mêmes caractéristiques. On ne rencontre que très rarement des fossiles d'animaux terrestres à une profondeur supérieure à 200 mètres, si bien que le fait de les trouver à 550 mètres pourrait être la preuve que recherche le professeur Kimura. Les fossiles d'animaux constituent une mine de renseignements. Il y a plus de 6000 grottes sur les îles d'Okinawa. On croit qu'elles se sont formées à la suite de mouvements de l'écorce terrestre. On y a découvert les fossiles de plusieurs animaux dont les espèces sont éteintes. Au fond de cette grotte, par exemple, on en trouve beaucoup. Voici la colonne vertébrale d'un cerf et quelques-unes de ses dents parfaitement conservées. Cet os blanc est la mâchoire inférieure d'un cerf dirigé vers le haut et encastré dans le rocher. Dans cet espace réduit reposent les nombreux restes de plusieurs espèces d'animaux. Là, nous avons atteint l'extrémité de la grotte. Ce que je pense, c'est que ces animaux se trouvaient à la surface quand ils ont été tués lors d'une catastrophe naturelle. Je crois que leurs cadavres ont ensuite été emportés par des coulées de boue. Ils sont arrivés jusqu'ici et ils ne pouvaient pas aller plus loin. Un grand nombre d'animaux semblent avoir été entraînés par d'importantes inondations et enterrés profondément dans ces nombreuses grottes formées par les